Donc, bienvenue pour bien manger, pour bien maigrir. Hein. On va continuer. Donc, vous avez vu un peu le panorama absolument fantastique. Donc voilà, on fera quelques jours de tournage ici. Alors, quand il fait beau, bien sûr. Si jamais il ne fait pas beau, on va voir autre chose. Alors aujourd'hui, on a acheté chez Marie-Jo, bon, ils se font leur propre culture, hein, une jolie courgette, un oignon nouveau, un peu de gingembre, de la tomate, du persil et un citron bio. Donc on va faire un carpaccio de légumes. Donc on va commencer par, bon, les légumes ont été lavés bien sûr. Donc le principe c'est de couper des tranches très très fines, comme ça. Vraiment très très fin, hein, comme vous pouvez le voir. On va faire exactement la même chose avec la courgette, en toutes petites tranches fines. Alors ça c'est très très bon quand c'est très très fin comme ça. Alors si chez vous vous avez une mandoline, vous le faites à la mandoline, hein, bien sûr. Et on va faire la même chose avec l'oignon. Très fin comme ça, voilà. Et on va se retrouver maintenant dans quelques minutes pour le montage. Alors maintenant on a tout coupé, on va préparer l'assaisonnement au fond de notre plat. Enfin de nos assiettes. Hein. Voilà, on va bien poivrer. Poivre noir. Hein. On s'excuse pour la petite... Un avion qui passe, voilà. Un petit peu de sel au fond. On va mettre un petit jus de citron. Alors je ne peux pas me rappeler là, Anne a acheté une belle huile d'olive corse, on va mettre ça au fond de l'assiette et on va disposer ça, nos légumes maintenant, là-dedans. Alors on va alterner un petit peu les couleurs, hein. Un joli carpaccio de légumes tout merveilleux. Donc le principe maintenant, c'est un petit jus de citron sur le dessus, on réassaisonne, comme ça on a assaisonné en dessous et au-dessus, et on va laisser tirer un petit peu ça pendant à peu près un petit quart d'heure, 1 minute, hein, que les légumes lâchent un petit peu leur eau, et pour donner, pour aromatiser ça, on a un tout petit peu de gingembre, Anne, là, que tu as vu là. On va donc tailler des tout petits bâtonnets de gingembre. Donner un petit peu de peps. Voilà, mettre ça comme ça là-dessus. On va rajouter un tout petit peu de persil. Juste concassé, très léger. Hein. Voilà. Et on va rajouter là-dessus un petit peu d'huile corse. Et notre petit carpaccio est prêt pour le repas du midi. Voilà, donc c'était la recette du jour. Régalez-vous avec des légumes, bien sûr, toujours proches. Donc là, en l'occurrence, c'est très locavore. Et régalez-vous. À demain pour une nouvelle recette.